viens d'arriver sur les bords de l'Oise pour faire du ski nautique sans les skis. Ça s'appelle le barefoot. Ça, je pense, ça va être super. Bonjour. 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 Bruno. Christophe. Christian. Bon voilà, vous voulez venir pour un tour de barefoot, c'est ça? Un tour, je crois que c'est plutôt une centaine de gamelles de barefoot, ouais. Barefoot, c'est bien ski nautique, mais ouais. Sans les skis, hein, c'est voilà, ça. C'est on enlève sans les skis. Skis. On enlève les skis. On enlève les skis, on rajoute quelques gamelles. La première leçon, c'est où tu réussis bien et t'as une montée d'adrénaline pure. Ouais. Ou alors tu te prends pas mal de gamelles et il faudra à peu près 2 à 3 cours. Au début, ça va, t'as le sourire, mais c'est à la fin du programme que t'auras peut-être moins le sourire quand même. Hein. Okay. Moi, ce que j'aimerais arriver à faire, c'est à glisser sur l'eau. Quoi. Le but, pour moi, c'est que tu réussisses, que tu repartes et que tu sois très content. Ah super, on a le même but. Tu peux prendre une chute à 70 km/h. Ouais, très peur. Ça fait très très peur. Et dans ta tête, ça passe qu'en une fois, quoi. Donc, okay. Ce qui est très important... Donc, c'est... Oui, j'ai bien fait d'aller dans une école de barefoot. Exactement, c'est très très important. C'est un paramètre primordial. Ne jamais faire du barefoot avec quelqu'un qui ne connaît pas le barefoot. Déjà, dans un premier temps, on va choisir ta combinaison. Ouais. C'est à peu près embourré d'un centimètre, là. C'est pour amortir les chocs. Ah oui. Donc t'as rien à craindre quand même, il y a quelque part... Des chocs sur l'eau, c'est-à-dire qu'il y a voilà. Autant d'épaisseur pour amortir des chocs sur l'eau. Voilà, ouais, exactement. Super bien la combi, très classe. On va aller là, on va s'échauffer ensemble sur l'herbe. Déjà dans un premier temps, ok. Tout ce que je fais, tu le fais, ok? Ouais. Ça marche. Christian, ça marche. Christian, tu en attendant, tu fais le bateau? Ouais. Hein? Tu peux? Allez, hop, okay. Tu peux. Ok. À tout de suite. 5 tours de bateau là déjà pour commencer. D'accord, j'y vais. En courant, ouais. Bah, ça commence bien. 4 et 5. Bon bah tu tiens un peu plus alors. Ça va détendre un peu les... C'est très important ça. Ça tire bien. Pour finir, 10 pompes. 5, 6, 7. Bien. Ok. Bon maintenant là, il y a toujours le sourire, mais à mon avis ça va pas durer. Allez comme ça là-bas. Oui. Ouais. Pour que tu puisses mettre tes mains. Ok, voilà. Okay. Mettre comme ça. Le but du jeu, c'est de se retourner. Se mettre sur les fesses, mais ne pas poser les pieds tout de suite. Donc maintenant, tu te mets sur le dos, ok? Non, comme ça. D'accord. Voilà, très bien. Maintenant, tu amènes tes genoux à la poitrine. Il y a déjà des gens qui l'ont fait. Oui, 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 il n'y a aucun problème. Et tu donnes un coup de rein sec pour pivoter, comme ça, voilà. Hop, encore, finis ta rotation. Tu verras que dans l'eau, ça passe tout seul. Hein. Ouais. Très important, toujours les bras tendus, ok? Tu es en bonne position. Ouais. Tu vas te lever sans tirer sur les bras. Je te tire avec l'attraction du bateau. Allez, lève-toi. Non. Voilà. Ah oui. Stop. Parfait. Ressors les pecs. Ressors les pecs. Voilà. Ça se passe pas. Assis-toi un tout petit peu. Un tout petit peu. Un tout petit peu. Incroyable. J'ai fait combien là sur les pieds? 800 mètres sur les pieds. J'ai là. Fait 800 mètres sur les pieds. Oh, je suis trop content. C'est de la folie parce que là je me disais mais c'est pas possible, je voyais avancer les trucs au milieu puis je me disais c'est pas possible. Bah, tu vois le seul truc que j'ai, la seule personne dont j'avais entendu qui faisait ça à part toi Bruno c'est Jésus quoi. Ah. Je me disais c'est pas mal.